cuire pendant 30 minutes. Je vous recommande de surveiller au fur et à mesure la cuisson de votre côté, car tous les fours ne fonctionnent pas de la même manière. 30 minutes après, je viens retirer mes brioches du four. Ouh, chers amis, regardez comment elles sont délicieuses, rien qu'à voir. Et je vous confirme, je vous garantis qu'elles étaient aussi très délicieuses en mangeant. Là, je viens un peu badigeonner du miel, ceci est facultatif. Regardez les amis, regardez comment elles sont moelleuses, très moelleuses et filantes. Ouf. Mais non, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous ne me dites rien en commentaire, je ne sais comment vous décrire. Franchement, je suis trop convaincue de cette recette. Elle a réussi. Alors, je t'invite à partager à ton entourage. Si peut-être tu vis en Afrique, tu veux en faire pour vendre, n'hésite pas. C'est très bon, c'est très bon, c'est très bon. Au cas où vous voulez refaire ma recette dans son intégralité, j'aimerais préciser que je n'ai pas mis assez de sucre parce que je ne voulais pas qu'elle soit trop sucrée. Donc, mettez la quantité de sucre que vous consommez. Chers amis, n'hésitez pas à refaire cette recette et à me donner votre avis en commentaire. Si vous avez suivi ma vidéo jusqu'à ce niveau, je vous invite à me laisser un cœur rouge. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!